katana krill. Le katana en réel a été réalisé à très peu d'exemplaires et donc en modernité c'est beaucoup plus facile pour les réaliser. Donc là vous avez 1m60, 14-16 kg de masse, 120 cm3, 6 cylindres et hydrogène à la pluie. Face au vent, ouais, on se pose toujours face au vent pour le décollage aussi. Et là, Cuminel toujours en route, et là il va essayer de tenter le torque roll. Normalement un avion réel, ça ne vole plus à cette vitesse. Et regardez le vent, les effets du vent, s'il n'y avait pas de vent, il aurait de l'appareil devant lui, immobile, et la dérive à 5 cm du sol. Voilà. Pour ne pas tenter le diable, on va dire, il a fait le torque roll. Donc torque roll, qu'est-ce que ça veut dire? Torque, c'est le couple. Roll, c'est la rotation. Alors, quelque chose qui tourne. Donc là, actuellement, ben, l'avion ne volait plus. C'était juste l'hélice, la puissance du moteur et le rendement de l'hélice qui faisait que ben, l'avion restait en vol. Donc là, je pense qu'il va en retenter un autre. Regardez les effets du vent, les rafales. Très difficile à piloter. Regardez tout le travail qui est fait au niveau de la dérive et du stabilisateur. Le pilote est en train de faire de la mayonnaise sur les manches de l'émetteur. Très très difficile comme figure à faire. Normalement ça ne vole pas, mais bon, étant donné qu'on a, par rapport au réel, on a des moteurs beaucoup plus puissants que ce qui existe sur du réel, et bien on arrive à faire de telles prouesses au niveau de la voiture. Donc là, vous voyez, ça vous donne une idée de la vitesse du vent. Toujours l'oxygène en route. Ensuite, on me signale que nous allons pouvoir voir un jet. Mais c'est un jet avec deux réacteurs. Et toujours Yann Lestavel en voltigeur acrobatique avec les plus jeunes. Oh vache! Ça vous donne une idée de la vitesse du vent. Actuellement on est à 25 km/h de vent par l'ouest. Après ça, on va mettre un petit peu d'huile dessus, dedans, pardon, et ce qui va servir à lubrifier les roulements à vie, car ces moteurs ont ralenti, c'est comme vous l'entendez actuellement, là les moteurs sont entre 25 000 et 30 000 tours, j'en fais un petit moteur, et ils vont monter entre 165 000 et 185 000, 120 000. Donc le Alice, vous voyez que le pilote a chaud, donc le cockpit est toujours ouvert. Et juste avant le décollage, donc Laurent verrouillera le cockpit et ça sera parti pour la mission d'appui sol en Afghanistan.
C'est un appareil qui avait été conçu à l'époque contre les 5000 chars en gros connus qui devaient venir du pacte de Varsovie, qui peut se déplacer évidemment en azimut et en élévation. Il est équipé de 4 000 de roquettes de missiles sur les moyens d'aile de chaque côté. C'est mort. Allez hop, finish.